Hey, salut tout le monde, chers galaxiens, chères galaxiennes, bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur ma chaîne Multigaming sur Super Smash Bros. For Nintendo 3DS. Je suis très heureux de vous retrouver pour un jeu que j'attendais. Eh ben écoutez, pas forcément. Voilà, vous allez me dire, what? Tu n'attendais pas Super Smash Bros? Eh ben alors, j'attendais Super Smash Bros, mais plutôt sur Wii U, pour être honnête avec vous. Après, je suis pas un grand fan de Super Smash Bros. Pourquoi j'ai dit plein de fois? Parce que c'est vrai que beaucoup ont du mal à le croire. Oui, j'aime les jeux Nintendo, mais j'ai jamais été un fanat, voilà, des Super Smash Bros. J'aime bien y jouer avec mes potes, mais y jouer tout seul, c'est pas quelque chose qui m'intéresse forcément. Voilà, donc c'est pour ça, les amis, que je ne ferai pas de let's play, je vais juste faire une vidéo first view et puis peut-être une vidéo détente plus tard, on verra bien. Voilà, vous m'avez compris. Alors découvrons tous ensemble ce jeu pour la vidéo first view, les amis. C'est un jeu bien sûr édité par Nintendo, développé par Sora. C'est un jeu de combat, il sort le 3 octobre 2014, de même pour les États-Unis. Et c'est un jeu déconseillé au moins de 12 ans. Mais bon, au moins 12 ans, bon, il n'y a pas vraiment de quoi déconseiller ce jeu. Alors, ce sont juste des combats en fait, voilà. Alors, on a le mode Smash, affronter l'ordi ou des joueurs en local dans des combats épiques, donc ça c'est le mode entre guillemets classique. Et on a Aventure Smash, affûter vos techniques en environnement hostile, puis passer l'épreuve du combat final. Donc c'est vrai qu'on a ça depuis, il me semble, attendez que je me rappelle bien, Super Smash Bros Melee avec la version GameCube. Alors moi j'ai joué à la version N64, sûrement la version à laquelle j'ai le plus joué d'ailleurs. J'ai joué à la version Melee justement de la GameCube et j'ai pas joué par contre à la version Brawl. Donc ça fait très très longtemps que j'ai pas joué à un Smash Bros, pour être honnête avec vous. Voilà, c'est vrai. Allez, on va en Smash nous. Alors on a le multijoueur ou le solo. On va aller en solo. Ouais, toujours la fameuse sélection, les amis, du personnage. Il y a énormément de persos. Ça fait plaisir, Lucario. Alors, d'accord, je connais pas tout le monde, en fait. On va dire que j'en connais beaucoup, mais pas tout le monde. Samus, sans armure. Ah bah oui, du coup, forcément. Alors, moi, j'ai bien envie de prendre Link Cartoon. Alors, est-ce qu'on a le Link normal, alors? Ah oui, là-haut, regardez. Link tout court. Superbe. Ok, on a tout ça. Dracaufeu, d'accord. Ils mettent des Pokémon, en plus. Super. Donc il y a des persos de Xenoblade, hein, vous avez pu le remarquer, on a Falcon, évidemment le Capitaine Falcon, Pikmin, on a entraîneuse Wii Fit, ils ont abusé, villageois, d'accord, il y a beaucoup de monde, ouais, ça c'est cool. Alors moi je vais prendre les amis, est-ce qu'on prend, on va prendre Zelda en mode comme ça, on va prendre Zelda en mode cartoon, allons-y. Ok, start, jouons les amis contre l'ordinateur. Aléatoire, yes, je veux quelque chose d'aléatoire. C'est quoi qui m'a mis? Arène de je ne sais pas quoi, j'ai pas eu le temps de voir. Arène de je ne sais pas quoi. Et donc du coup, ne me maudissez pas sur le gameplay, les amis. C'est vrai que j'ai pas l'habitude de jouer à ce type de jeu. On y va! C'est parti, les mecs! Ah! Attention! Oh putain, c'est ma mie! Attention! Aïe! Oh, vous avez vu ce qu'ils me mettent? Ouais, remonte. Donc d'accord, on remonte avec le stick. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, nom de Dieu. Bam! Ah, j'ai fait un piqué, là. Bam! Yes, je veux ça, moi, je veux un objet, donc comme d'habitude, on ramasse les objets. Ouah ! Non, c'est un bouclier. Bam ! Oh, j'ai projeté les deux, c'était beau ! Ah, il y a une fleur, attendez, il y a une fleur. Eh, ma fleur, viens là ! Ah, c'est lui qui a pris la fleur, je crois. Il y a un ballon de foot ! Ouah, j'ai récupéré la fleur. Oh oui ! Je les ai balancés ! Ah, il aurait fallu que je les mette dans les cordes encore plus. Donc, la reine, oh oui, joli ! Bam ! Oui, les deux ! Encore ! Ah, non, j'aurais dû... Là! Oh, c'était beau! Magnifique! Regardez, on les explose! Énorme! Ah, il revient! Oh! Non! Le mieux, donc, c'est quand on peut les balancer quand ils sont déjà en l'air. Regardez que l'arène s'adapte au fur et à mesure. Donc là, le but, c'est vraiment de vous montrer tout ça, les amis. On est en train de les tuer! Ah, attendez, je vais essayer de choper ça. Le double saut, comme d'habitude. Hop! Hop! Ah, zut! J'aurais pu la virer, là. Quelque chose de sec. Aïe! Elle a essayé de me virer, méchante! Hop! Ah, d'accord. Avec la fleur, y a pas moyen. Ah, attendez, laissez-moi faire, hop, on se défend un petit peu, hop, donc toujours la touche de RB pour se défendre, il y a toujours des attaques spéciales, il y a toujours un petit peu de tout, c'est vachement balèze. Ah, chope ça vite, laissez-moi, attaque spéciale, je veux mon attaque spéciale, là on a le truc Smash Bros, attaque Smash, non, c'est pas moi qui l'ai eu, si c'est moi ou c'est pas moi, non, c'est pas moi, oh là là, mon dieu, oh non, oh, du coup ils l'ont fait sur moi, ah oui, du coup, oh les boules. Oh, le marteau! Attends, le marteau, c'est l'arme la plus cheatée! Je me rappelle bien de ça. L'arme la plus cheatée, les amis, depuis le début
des Super Smash Bros. C'est énorme. Alors du coup, c'est qui a gagné, mesdames et messieurs? Il s'agit de Link, évidemment. Bah, on leur a mis un petit peu la pilule, c'est vrai, surtout en début de partie. C'était beaucoup mieux. Ah cool, on a battu en tout cas le Link Cartoon. Ils sont niveau 3 les deux. Donc ça va, on a réussi. Première victoire pour nous, mesdames et messieurs. Ça a été un petit peu plus compliqué vers la fin. Donc comme vous avez pu le remarquer, je ne sais pas spécialement jouer à ce jeu. Bah voilà, je suis pas un grand habitué, mais j'aime bien y jouer entre potes. Voilà, sans prise de tête. No prise de tête, voilà, c'est un truc. Je vais pas y jouer pour bien jouer, pour être franc avec vous. Alors est-ce qu'on peut changer de perso? Moi j'ai changé. Chic, j'ai bien envie de prendre Chic, mais enfin Chek pour comme certains le disent. Je vais prendre... On va prendre quelqu'un d'autre. On va prendre pas l'exem, si vous le voulez bien. J'ai bien envie de tenter Dracaufeu. Mais pour le délire, je vais prendre Megaman. Voir un petit peu ce qu'il donne. Allez, prenons Megaman. Tentons, les amis. Alors, quelle arène? Jungle D. Alors, vous, je sais pas ce que vous voulez voir comme arène. On va prendre un truc assez original. 3D Land. Tiens, on va tenter le 3D Land. Allez, voyons ce que ça donne, les amis. 3D Land, 3D Land. Donc moi j'ai fait en plus Super Mario 3D Land, donc je pense que ce sont c'est l'un des niveaux du jeu. Ah oh, génial, ouais. Génial, superbe. Oh, il y a la touche de tir. Ah oh, putain, faut que je... Franchement, faut que je me fasse au jeu, je vous jure. Alors moi oui, je pense jouer pas mal à la version Wii U. Une Pokéball. Bam. Ah oh, oui, j'ai fait voler mon Pokémon. Et maintenant, donc du coup, ce qui fait que j'ai un deuxième joueur. Ah, c'est un niveau, vous avez vu, les amis, c'est un niveau... Ah, faudrait que je me bouge. Tac. Oh oui. Oh, belle attaque. Faudrait, les amis, que... Ah, je peux shooter, du coup, avec Megaman, évidemment, c'est son attaque. Attention. Tac. Ah, j'ai loupé. Il y a un champi. Attention. Ah, faudrait que je puisse les éjecter. J'ai un petit peu de mal, donc déjà, faut les toucher, ce sera déjà bien. Ah, il me touche. Ah, c'est pas cool, ça. Attention, fais gaffe de rien perdre, Galaxou. Voilà. Joli. Ah, c'est pas... Oh non. Ah oui, il est avec moi, du coup. Ah, c'est un gars de Final Fantasy ou quoi, ça? Je sais même pas qui... Je sais même pas qui c'est. Attends, il y a la fleur. Voilà. Allez, tiens. Allez. Faudrait les éjecter, maintenant. Faudrait les éjecter, ce sera cool. Pas évident, hein. Ah, donc oui, il me semble qu'il faut mettre un coup sec pour les éjecter. Aïe, aïe, aïe. C'est pas évident, honnêtement. Ah. Allez. Ah ouais, d'accord, les fameuses plateformes, mes amis, de Super Mario 3D Land. Je m'en souviens maintenant. Yes. Yes, je l'ai éjecté. Attention, ne pas tomber. Vas-y, éjecte-le. On peut plus facilement les éjecter. Bah, ça c'est la règle de base, les amis, de Super Smash Bros, évidemment. Vous connaissez, je pense. Putain, comme je sais pas jouer. C'est incroyable. Attendez, donnez-moi ça. Allez. En tout cas, les niveaux sont magnifiques. On a vraiment de la variété, ça bouge. Ça c'est cool. Chose que j'aime bien. Ah, franchement, je sais pas comment les tuer. Bam. Ah, j'aurais voulu, putain, j'ai cru que j'allais... Ah, faudrait... D'accord. Je sais pas qui c'est qui a gagné, peut-être Donkey Kong. Il me semble que c'est Donkey. Ah non, c'est moi, d'accord. J'ai encore gagné. Ah bah oui, du coup, non, Donkey Kong, je l'ai envoyé en l'air. Je l'ai envoyé vers le 7ème ciel. Non, voilà, donc d'accord. Pas évident, en tout cas. Voilà, vous voyez, je gagne, mais j'ai pas l'impression que c'est un gros ascendant. À un moment, j'ai eu de la chance et j'ai réussi à aller envoyer. Donc, attendez, on va aller faire un tour, si vous le voulez bien, les amis. On va faire retour et on va aller visiter les autres modes de jeu. Donc ça, donc c'est le mode de jeu classique, évidemment. On peut le faire en mode multijoueur. On a le mode en ligne. Le mode défi, si vous êtes de taille, relevez ces défis, des récompenses vous attendent. Et on a, bien sûr... l'aventure Smash. Donc je vais aller faire un tour dans cette aventure. Voyons voir ce que ça nous offre. Donc on choisit notre perso. Moi je vais prendre... Je vais prendre quoi? Je vais prendre Samus, tiens. Allez, je vais essayer un combattant personnalisé. Par défaut, Samus. Yes, merci. Alors... Voyons voir ce que nous offre ce mode de jeu. Juste par curiosité, en fait. D'accord. Donc là, on progresse, on a des fruits, donc je suppose pour la santé, pour augmenter les pourcents. Oh, un Koopa, mon dieu! Non, c'est pas un Koopa, je sais plus ce que c'est. Enfin, je suis peut-être, je sais plus. Là, franchement... Ah non, c'est les frères Marteau. Les frères Marteau. Bam! Oh, c'était beau. Franchement... Hop! Voilà! Là, on l'a exclu. Attaque plus. Superbe. Alors, attendez, au niveau des touches, on se calme. Là, on saute. Là, on shoot comme ça. On a l'attaque évidemment arrière comme d'habitude, on a plusieurs attaques, l'attaque en haut, on a l'attaque en bas. De toute façon il y a des attaques partout. Attaque en boule? Attendez. Ah oui, c'est vrai.
J'avais oublié qu'on avait attaque en boule. On a celle-là, celle-là, attaque en haut, attaque en bas. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'attaques à faire. Par contre, faut gérer un petit peu le stick. Hein. Voilà, franchement. Falloir gérer un petit peu le stick, les amis, mais ça se fait après. Oh ! C'est quoi ça ? Oh ! Aïe, 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 donc on récupère des items avec des attaques plus, d'accord ? On récupère des items avec des attaques plus, ça c'est bon. Alors, mon petit commentaire, graphiquement, le jeu est plutôt beau. Hein, donc après, ça reste honnêtement du Smash Bros, ça reste du Nintendo, hein, en plus de ça. Je sais pas où ça sert par contre d'avoir la porte. Qu'est-ce qu'on fait avec la porte au juste ? Ah d'accord, on doit aller dans la porte. Ah, je n'y connais absolument rien. Smash dans le mille. Ah d'accord. Ah d'accord, je me fais exploser si je vais dans le feu. Fallait me le dire, j'avais pas compris. La vache. Ok, donc on ne peut pas descendre en bas. Ok, on va monter. Compliqué quand même à deviner, enfin pour quelqu'un qui n'est pas habitué, moi je suis pas un habitué de Super Smash Bros, c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre. Et j'attends plus la version Wii U quand même, pour être franc avec vous, celle-ci, j'y portais pas trop d'intention. Hop, si je veux m'entraîner, ce serait sur la version Wii U. Hop. Oh my god. Allez, tu vas mourir. Meurs. Allez, on gagne en compétences petit à petit. Ah, c'est pas mal le fait de reprendre des items comme ça, moi j'aime bien. Ah, ça Pokémon Team Rocket! Allez! Tu vas pas me dire! Et si on va là-dedans? Bam! D'accord, ça m'emmène à une autre arène. Oh, c'est super classe. Ok, en gros, faut tout dégommer. En gros, faut absolument tout dégommer. C'est pas mal quand même. Hein? J'ai pas mal du tout, moi je dis. Alors, continue, attention, accélération! Hop! On peut faire ce qu'on veut. Ah d'accord, là je vole. Trop énorme. Une voiture! What? On dirait la voiture de Harry Potter, vous savez, quand elle va se planter dans l'arbre après. Vitesse plus. Oh my god. Aïe! Ça pique le chien! Oh! C'est dangereux quand même. Oh, c'est pas mal en tout cas. En tout cas, c'est pas mal. Bon, apparemment c'est une suite à progression. Je pense qu'il faut tuer le plus de trucs possible. Ok. Alors moi je vais m'arrêter là parce que je sais pas trop quoi. Je sais pas trop comment jouer. J'ai pas tout compris. Je sais que ceux qui sont habitués des Super Smash Bros, bah ils savent exactement ce qu'il faut faire. Oh, je pense que c'est une suite de. Une suite en fait. Mais je trouve ça un peu long. Voilà, comme je vous disais, c'est pas vraiment mon style de truc. Je préfère le mode classique, jouer de temps en temps avec mes potes. Donc on va rapidement se remettre dans un mode classique. Et je vais choisir un autre perso. J'ai bien envie de choper. Alors Kirby, je sais qu'il peut voler. On va tenter, les amis, quelqu'un comme Star Fox. Voir un petit peu ce qu'il présente. Ouais, on va voir. Alors, par curiosité, un truc que j'ai encore jamais pris. Ouah, la zone Green Hill. Non, t'es sérieux? Yes. La classe, il y a la zone de Sonic. Alors là, on va tenter, franchement. Voyons voir un petit peu, les amis, ce que ça nous offre. Waouh. Alors après, voilà, oui, les amis, si vous... Pour vraiment voir... Ouah. Faut vraiment avoir... Ah, ils ont pris les thèmes et tout, mine de rien. Ils ont repris les thèmes, les musiques. C'est super agréable, ça. Vers tout le monde, oui, je voulais vous dire. Pour... Oh, oui. Pour vraiment en connaître plus sur le jeu, si jamais vous ne pouvez pas l'avoir, je vous conseille d'autres youtubeurs spécialisés, justement, dans l'univers Nintendo. Il y en a pas mal, hein, sur YouTube. Ce qui est une bonne nouvelle. Eh, Chic, tu me saoules. Tu le sais, ça. Il fait toujours la même attaque, en plus. Toujours. Moi aussi je peux, hein. Aïe, oh non, pourquoi je suis parti? Oh, mais. Allez! Chic, c'est vrai qu'il est. Très chiant. Enfin, elle. Ah, merci. Au moins, comme ça, j'ai récupéré un deuxième joueur. Bam! Oh, c'est très bourrin, on l'a exclu! Magnifique. What the fuck, je suis tombé! Non! Mais pourquoi, du coup, je suis à moins 1, mais quel con, quel teubé! Non! Oh non! Je suis re à moins 1. Oh! Wow! Magnifique, c'est l'attaque qui m'a sauvé, ça. Oh oui! Oh, magnifique. Allez! Énorme, mes amis. Énorme. Bam! Oh, je les exclus tous en magnifique! Oh my god!
Bam. Ah non, là c'est, il m'a exclu moi là. Je suis pas d'accord avec ça moi. J'étais exclu je ne sais combien de fois, je me demande. Allez. Attendez, je shoot. Bam. Au bout d'un moment c'est plus long d'aller donc. C'est incroyable, c'est super rapide. Fais péter. Fais péter. Bam. Fais péter. Laisse-moi l'arme. Dégage. Dégage. Temps écoulé. À mon avis, j'ai pas dû gagner. Oh mon dieu. Ah si, j'ai encore gagné. Mais en fait, comment on fait pour perdre? Non, je pense qu'il faut mettre en difficulté plus élevée, à mon avis, pour perdre. Pour perdre une partie. Bon, bah écoutez, voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet aperçu, les amis, sur ce Super Smash Bros. 4 3DS. Je vous laisse découvrir, en découvrir plus avec d'autres youtubeurs si vous souhaitez en savoir plus, parce que voilà, vous savez très bien que je suis pas expert dans Super Smash Bros. Je fais ça juste pour le plaisir. Je vais y jouer un petit peu de mon côté. Mais vraiment, juste pour la déconne, voilà. Ou avec mes potes, plutôt sur Wii U, quand je l'aurai sur la Wii U. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, les amis, sur Super Smash Bros. 4 3DS. Évidemment, si vous aimez cette série, eh ben, je pense que celui-ci peut vous intéresser. Mais c'est vrai que je privilégierais un petit peu plus la version Wii U. À voir après quand on l'aura, mais c'est sûr que c'est plus agréable de jouer à ce jeu sur console de salon, je trouve, que sur portable. Après, évidemment, chacun ses préférences. Merci à tous, vive les jeux vidéo, les amis, et à la prochaine. Salut tout le monde!